Miller got it. In 1984, it could not be, the National Day could not take place, and he could not chair it for reasons that you all understand, when the country received some internal turbulence that had to be taken care of internally. And then, of course, again, the past 2 years, 2020 and 2021, owing to the COVID-19 pandemic. And that is why it is just the 37th time in 39 years that President Paul Biya is doing this ritual here. And you've just seen the Brigadier General, who is going to take the command very soon, going over to command his troops as we await this official march past that will be preceded by a carousel to be done by the major orchestra of the Cameroonian Army. À l'unité nationale. En même temps, ce carrousel rend un vibrant hommage à tous les fils et filles du Cameroun pour les efforts consentis afin de préserver la paix sociale, la cohésion nationale et bien évidemment l'intégrité territoriale. Et en troisième point, ce carrousel exhorte les Camerounais à œuvrer pour la réussite des... Voilà, le carrousel 2022, magistralement exécuté là par la musique principale des armées. Now, Lieutenant Tata Emmanuel, tell me, 5 minutes of merry-go-round in music, call it a carousel, pregnant with meaning, message, and symbolism. What would you say that? Well, then I can say it's a cream. It paints a picture that the decoration has already been planted because it traces the history and pays tribute to sons and daughters of Cameroon and urge Cameroonians to work for the success of the major achievements due of prosperous and emerging Cameroon. So this year it was presented by the brass band of the army. That's the main band of the army. Okay, and I understand it is a composition of the main band, the leader of the main band. Exactly, and the title of the carousel is United Cameroon. And so the march past has been kick-started there with the flight past of the Air Force, as we can watch on your screen. Here we go for the march past
of the Golden Jubilee of National Unity in Cameroon. Et il faut dire, Ben, que les choses vont aller très vite ici. Juste le temps d'admirer ce jeu d'adresse. Et on redescend pour ainsi dire sur terre pour le défilé des troupes à pied qui va commencer dans un instant. Et comme il est le président de la République, tous ses invités pour cette première qui s'ouvre avec le passage dans quelques instants d'un détachement des forces armées congolaises, armées invitées par le chef des armées cette année encore. En fait, le peuple entier, les invités spéciaux sont tous debout pour rendre hommage au drapeau national, le vert ou jaune frappé de son étoile. C'est pour cette raison que le chef de l'État se met debout pour rendre hommage à ce drapeau. Évidemment, rendre hommage, n'est-ce pas, à l'ensemble des filles et fils de cette nation qui protège ce vert ou jaune tous les jours. Quand on dit qu'on est aux frontières, quand on dit qu'on gère l'insécurité, quand on dit qu'on sécurise le sommeil des Camerounais, c'est en fait, en fin de compte, le vert ou jaune qu'on sécurise. C'est ce drapeau qui est le symbole vivant de notre République. Lieutenant Tata, tell me, it is not only the flag that we are honoring here, but when the flag passes, we understand that even when the troops are marching past, all the VIP, including the head of state, they are on their feet. We seem to take that for granted. The country so close to their heart in the protection. Not only the flag. Not only the flag, but those people, those brave men and women of honor who hold a country so close to their heart in the protection of the territorial integrity of Cameroon. So if you see this recognition by the head of state and his invitees, it's pregnant with a lot of meaning. And when it comes to the mounted troops, they are no longer standing. Why? Yes, they are no longer standing because it's just a show of prowess as far as our equipment is concerned. As I earlier mentioned, the 2001, it was inscribed in the 2001 reform as the equipment of the forces. Okay. Le commandant des troupes ici au boulevard du Vamé, alors que le détachement de ce contingent des forces armées congolaise ouvre le bal ici. Ça démarre au pas de Rennes, un pas lent, mais qui, tout à l'heure devant la tribune présidentielle, devrait changer. Juste le temps pour celui qui commande les troupes ici aujourd'hui, nous l'avons dit, le général de brigade Aga Robinson, diplômé de la 16e promotion de l'EMIA, d'ouvrir les bancs. Juste derrière lui, vous le voyez, le colonel Jean-Pierre Toulouse, c'est lui qui officie comme commandant en second des troupes ce 20 mai 2022. Il est en ce moment chef d'état-major de la première région de gendarmerie à Yaoundé. C'est originaire de l'arrondissement de Kampo dans le département de l'Océan. Le détachement des troupes des forces armées congolaises, invité colonel Atonfak, si je ne m'abuse, pour la troisième fois ici au Cameroun à l'occasion d'une célébration de la fête nationale. Oui, Madeleine, en fait, c'est la quatrième fois que les Congolais arrivent à Yaoundé, mais c'est précisément la troisième fois que le groupement paracommando des forces spéciales congolaises basées à Brazzaville vient défiler au boulevard du 20 mai. Déjà en 2019, c'était ce groupement composé de parachutistes, composé de commandos et de forces spéciales qui venaient défiler au Cameroun. Effectivement, comme vous l'avez dit, ils défilent au pas de Rennes qui est assimilé à un pas lent ou encore à un pas de loi.
qui a la caractéristique d'être particulièrement exigeant parce que nécessitant beaucoup d'entraînement et beaucoup de coordination. Nous devons ici louer ainsi l'honneur que ce détachement paracommando, en réalité, l'honneur que la République sœur du Congo consacre au Cameroun, parce que revenir trois fois de suite, honorer notre fête de l'unité et surtout venir au cinquantenaire, n'est-ce pas, le jubilé d'or, c'est quelque chose qu'il convient de souligner. C'est un carré de 104 hommes qui ont cette cadence particulière là et qui va s'accélérer une fois qu'ils auront traversé la tribune présidentielle. Mais entre-temps, au beau milieu, il va avoir un lever très haut du pied droit ou du pied gauche du défilant, pratiquement à hauteur de fesses de son prédécesseur, pour montrer la vigueur, mais en même temps une vigueur dans une raideur du pas. 1 mètre en moyenne au-dessus du genou. Exactement. C'est particulièrement difficile, c'est un exercice. Nous devons nous montrer fiers d'accueillir ce bataillon paracommando pour la 3e fois au boulevard du 20 mai. Qui est amené par le général de brigade Charles-Victor Batandis, le commandant des forces armées congolaises, et le colonel Gauthier Lebela, commandant en second du groupement paracommando, mais le général major qui conduit la délégation est lui aussi arrivé d'ailleurs hier à Yaoundé et bien présent ici au boulevard du 20 mai. Oui, le général Guy Blanchard Okoye, chef d'état-major général. Parce qu'au Congo c'est général alors qu'au Cameroun c'est chef d'état-major des armées. Guy Blanchard Okoye, il revient ici pour la 2e fois. Il avait déjà conduit la délégation camerounaise en 2019 lors de la dernière célébration actée. Et on va regarder justement ce changement de cadence. Now, before we get to that, Lieutenant, tell me, what is the, why the specificity of this detachment from Congo, your marching style? As we earlier mentioned, this is a contingent of paracommandos from Congo Brazzaville. They were here in 2019. They have the specificity of it is that they have 3 march steps. That's the slow steps, the block step, the redouble step, and the queen step. And these paracommandos, they are made up of commandos, they are made up of special forces. That's to say they carry out classical and special missions. And it's worthy of noting that these paracommandos are also participating in peacekeeping mission in the Central African Republic, likewise Cameroon. So their invitation here by the head of state is to reinforce that bilateral military cooperation that exists between the 2 brotherly nations, apart from the trade benefits that the 2 countries are having. Let's savor that particular unique march style. That was the pass of the Congolese military contingent dispatched to Cameroon by President Denis Sassou Nguesso of Congo. And that contingent is being led here by the Defense Chief of Staff, Guy Blanchard Okoye, who is accompanied by Brigadier General Charles Victor Batadi, who is in charge of training in the Congolese Armed Forces, and Colonel Gauthier Lebala, Deputy Commander of the Congolese Paracommando Group. And like you said, it is the 3rd time that this particular paracommando troop is making its outing to Cameroon. Yes.
Ben, it definitely shows that Cameroon and Congo Brazzaville, they work hand in glove as far as security in the sub-region is concerned. Le défilé des troupes à pied qui devrait durer ici maximum 25 minutes. La totalité du défilé militaire est prévue pour durer 45 minutes au total. La garde présidentielle toujours parée selon sa propre devise. Au pas, colonel, a-t-on pas martial, on va dire? Oui, le pas est martial, il est dur, il est appliqué. C'est un carré de 149, raide, mais en même temps mobile, souple. Ça montre la vigueur de ce corps qui est au service des institutions de la République, au service de la protection de la capitale et surtout des hommes et femmes qui incarnent ces institutions. Et je signale que pour arriver à ce résultat, les GPistes se sont entraînés deux fois par jour pendant 6 heures tous les jours. Et le défilé, les entraînements pour ce défilé 20 mai ont duré un peu plus de 3 mois. Vous savez, la répétition est la reine des armées. La répétition et la formation et l'entraînement. Donc, l'entraînement des GP, il en va de même pour toutes les armées participantes, toutes les unités, y compris l'école militaire interarmes dont les cadets sont en train de passer en ce moment. Vous remarquerez l'application, la rigueur, la méthode et puis le pied, le pas qui est levé très haut. Et qui dame le sol de façon assez forte au point, n'est-ce pas, de soulever le résidu de poussière qu'on pourrait imaginer sur le sol. C'est la preuve vivante que l'avenir est assuré. L'émir qui a pour commandant depuis le 30 mars, le colonel Nanzengue Roger. Et nous l'avons dit, les choses vont aller très très vite au boulevard du 20 mai ce jour. La musique de la gendarmerie nationale va prendre le relais dans un instant alors que justement la gendarmerie nationale arrive pour son passage ici au boulevard du 20 mai. La gendarmerie nationale qui a ce jour 3 carrés. And Lieutenant Tata Emmanuel, tell me, the same mission for the army, the same mission for the gendarmerie, or there's any difference? With the security context we have at hand, the national gendarmerie is being deployed to all the crisis zones. An example in the north, in the far north region against the fight against Boko Haram, Operation Adano in Adamawa and Garoua in the fight against human trafficking and cattle theft. Law enforcement, they carry out also administrative policing and judicial policing. So here we have 3 squares made up of 149 men. Law enforcement, we have the special elite corps of the National Gendarmerie, the special unit, the polyvalent intervention group of the National Gendarmerie, abbreviated GEPIC. And lastly, we will have the territorial command in charge of taking care of the persons and their property. So the gendarmerie is applying the policy of proximity gendarmerie. The uniforms may be different, but the missions are the same. The missions are the same. Et après, la gendarmerie, colonel, attend pas qu'on peut voir l'armée, le drapeau et sa garde, l'armée de terre. Alors, qu'est-ce qui oriente cet ordre de passage à chaque fois? Ce qui oriente cet ordre de passage, c'est le protocole propre aux armées, qui fait que la gendarmerie est numéro un au protocole, suivi de l'armée de terre, suivi de l'armée de l'air, suivi de la marine nationale et suivi du corps national de sapeurs-pompiers. Et nous allons distinguer là, ici, pour la 1e fois au boulevard du 20 mai, une unité des forces spéciales qui n'est pas forcément très, très connue parce qu'en réalité, les forces spéciales ne sont pas faites pour faire de la publicité, mais le Cameroun n'est pas un pays cacheté. Et donc, on rencontre beaucoup de Camerounais quand nous disposons de plusieurs unités de forces spéciales. Et qui ont, on l'imagine, des missions spéciales là. Évidemment, leurs missions, comme le nom, sont spéciales. Il va des forces spéciales, il va du bataillon spécial amphibie, il va du BIR à proprement parler, il va du bataillon des troupes aéroportées, il va du régiment d'artillerie sol-sol qui est basé à Consamba, il va du régiment d'artillerie sol-air qui est basé à Edea. En réalité, l'armée a diverses composantes aux missions spécifiques qui peuvent être dites spéciales et qui permettent à cette armée d'évoluer avec harmonie et de faire face de façon particulièrement efficace à l'ensemble de ces défis. Let us take it the army compartment by compartment.
We do say that all of them, though compartmented, look in the same direction, or each person has a specific role to play? It's an interoperability exercise. It means all the forces, all the constituted forces that make up the Cameroon Defense Forces have a common goal. That's the protection of persons and their property. They may as well have their missions, which can be special, but the approaches are different. Exactly. Okay. Now we have in front of us the the paratroopers from Kutaba. These guys, they have a special mission in assisting ground forces. That's to say, helicopter delivery. They also combat against difficult situations. And it should be noted that within the rank, you also have female personnel who are brave and doing the same job as they too can be parachuted? Yes, they are parachuters as well. Alors, on a la brigade d'intervention rapide, mais il y a aussi le bataillon d'intervention rapide. Quelle est la nuance? La nuance, c'est que le bataillon d'intervention rapide est une unité spéciale, alors que la brigade est un commandement intégré d'unités classiques et spéciales. Il faut dire particulièrement pour le BIR, qui est le remplaçant du BLI qui a muté, qu'il nous a particulièrement aidé à venir à bout des coupeurs de route dans les régions septentrionales du pays. Et aujourd'hui, il se déploie sur tout le pays avec une composante air, une composante navale, une composante terrestre, une composante amphibie. Et en tant qu'unité spéciale, le BIR accompagne l'ensemble des autres forces dans l'exercice de leur mission au quotidien. And here, the moment we're getting the Air Force, yes, and they got a new catch. Exactly, the Augusta. You have the Air Force, and it should be noted here that they are not only pilots; they also have rifle commandos who assist in operational activities as well. And the Air Force also carry out civil military actions. Like for example, when we have competitive examinations, their fleets transport these examination scripts to the far north or areas that are impracticable. And also in the transportation of persons, not only military personnel. Et on va accueillir encore, qui parle particulièrement au colonel à ton fac. Oui, Madeleine, la marine nationale, la marine de souveraineté, la marine de la diplomatie navale, la marine du plan d'eau, n'est-ce pas? La marine qui contribue à l'essor économique du Cameroun en garantissant la liberté de la navigation. La marine qui lutte contre la piraterie maritime au large. Évidemment, la marine, on le sait très peu, qui est déployée dans les coins et le coin du Cameroun. Savez-vous que la marine opère à l'extrême nord? Savez-vous que la marine opère sur les fleuves intérieurs du Cameroun? En gros, la marine, malgré son nom, est en réalité présente partout, sur les mers, les océans, ainsi que les eaux intérieures. La marine, l'amour de ma vie, vous comprenez bien, le blanc immaculé, le blanc de la pureté, mais le blanc aussi de l'honneur, de la loyauté et du devoir. Honneur et fidélité, cette devise qui a tout son sens au regard de l'actualité autour de nous, l'actualité en Afrique, l'actualité dans le monde, la devise de l'armée camerounaise nous parle. Oui, Madeleine, à cette devise, honneur et fidélité, il convient d'ajouter loyauté. Au-delà d'être honorable, au-delà d'être fidèle, il s'est avéré au fil des ans que l'armée camerounaise est une armée loyale. Loyale à ses missions, loyale au peuple camerounais, loyale aux institutions et loyale aux personnes qui incarnent les institutions. That is the naval force that is passing just past going down. They're closely followed by the firefighting brigade, another significant arm in the Cameroonian defense. I call them brave firemen because they have as mission to fight against disaster and their aftermath, rescue people and their property, participate in disaster management, participate as well in the prevention studies within its area of competence. And it is commanded by Brigadier General. So this force has always been participating in disaster management. Let's take the case of the Bangapongo incident and other catastrophes that we've been having. On peut admirer ces anciens combattants et anciens militaires tout beaux dans leurs nouveaux costumes. And now is the police. That is the police force now, right?
C'est les anciens combattants. Ce sont les anciens combattants. Les victimes de guerre qui arborent pour la première fois leur nouvel uniforme. Ici au boulevard du Vermeer. You can easily confuse them for the police. Ça fait partie des innovations de l'année et ça démontre en fait la capacité de l'institution à prendre en charge, n'est-ce pas, ces anciens combattants qui sont allés en retraite mais qui n'ont pas quitté ni le Cameroun ni les forces de défense en fait. Et depuis quelque temps, on parle d'anciens combattants, anciens militaires, anciens victimes. Et victimes de guerre, parce qu'il y a aussi tout un processus de suivi sur lequel on pourra épiloguer bien après. Et ceux qui ont l'oreille musicale ont bien dû percevoir ce changement de rythme, ce passage de témoin entre la musique principale des armées et maintenant la musique de la Sûreté nationale qui rythme le pas des troupes de la Sûreté nationale précisément. Superintendent Zemos, it is the police. And the detachment here is commanded by Commissioner Janjo George Manga Williams, who is the sub-director of human and personnel at the... The troops of the national security this year are led by Commander Police Commissioner Janjo George Manga Williams. And here we have two squadrons that are marching, the National Advanced Police School that represents the domain of training. You know, Cameroon trains within the sub-region and beyond. And you equally have the squadron from the Central Command Unit of the Mobile Intervention Regiment. This is the force that is active at the front, fighting the various challenges facing the nation, be it the Boko Haram, be it the crisis in the two Anglophone regions of the country. That is what they have been doing, and that is what the police is staying through the tradition, true to the tradition of serving the people at the service of each and everyone. That is what the police has been doing. And I should say, Commissioner Njanjo is commanding the police here. He's a prince of the Limbe royal family. He's a Scotland Yard Trade Commissioner. A Shivina, who's achieving his scholarship, took him to the police academy in Bramshill, England. And is there any specificity of the police that you want to mention? Yes, this police is coming here more than technically achieved, more than technically assisted. We have the video surveillance that we can talk about now. It is smart cities. We are meeting a new police in a Cameroon, a dispensation where we have smart cities. The eyes of the entire country are on that, the camera. Et l'administration principale des prisons qui monte au créneau en ce moment. Azangumba Walter, vous êtes sous-directeur des personnels pénitentiaires à la direction de l'administration pénitentiaire. Qu'est-ce que ça fait pour vos éléments de prendre part à ce défilé civil, ce défilé militaire ici au boulevard du 20 mai? C'est tout un honneur pour l'administration pénitentiaire de participer à cette fête nationale. Là, on a le détachement de l'administration pénitentiaire qui est commandé par l'administrateur général des prisons, Gamikwa Fabrice, médecin psychiatre, secondé par le chef de carré, l'administrateur de prison Nyangon Afan Esther. L'administration pénitentiaire a trois principales missions, une mission de sécurité, une mission sociale et une mission économique. Et l'effort du chef de l'État de professionnaliser l'administration pénitentiaire a permis de recruter au sein de ce corps des spécialistes de divers horizons, notamment des ingénieurs agronomes, des sociologues, des ingénieurs de génie civil pour l'encadrement de plus de 31 000 détenus que compte à jour ce pays pour les préparer à une meilleure réinsertion sociale après leur libération. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. C'est une mission délicate, une mission difficile et on comprend toute la joie qui vous anime alors que l'administration des douanes, elle aussi, nous le disions, après le décret qui a consacré son admission au niveau des missions de sécurité, la douane ne fait pas que ça, capitaine Dima. Effectivement, la douane ne fait pas que ça. Il faut dire que pour véritablement se déployer malgré le contexte sécuritaire contraint, la douane met en place une stratégie basée sur 10 idées forces. S'agissant de la collecte des recettes, la douane met le curseur notamment sur la qualité de la prise en charge, l'exploration et l'exploitation des nouvelles niches de recettes, mais également un accent sur la qualité, la rigueur sur les principes de gouvernance. Au sujet de la surveillance, la douane met l'accent sur la collaboration, la coopération avec les autres forces de défense et de sécurité et autres administrations en charge d'application de la loi. La douane met également l'accent la qualité. La douane met effectivement donc l'accent sur la qualité de la prise en charge. La douane s'appuie sur
la coopération des autres administrations. Elle met l'accent sur le contrôle des principaux points chauds, le contrôle des points de passage obligés. Et elle sécurise nos recettes aux frontières. Allez, merci. On va ouvrir la deuxième partie de ce défilé militaire. Ici, vous le voyez, c'est le passage des troupes montées avec la cavalerie qu'on a pu voir tout à l'heure au niveau de l'escorte présidentielle qui est arrivée ici. On va le rappeler à 12h ici au boulevard du 20 mai. C'est en réalité la deuxième partie de cette parade militaire ici au boulevard du 20 mai, le défilé monté et motorisé. Oui, Madeleine, c'est en fait un défilé monté motorisé qui s'ouvre par une parade de 30 chevaux sélectionnés de la cavalerie, de la garde présidentielle, deux véhicules de la garde présidentielle. Et ensuite, on va avoir un peloton motocycliste, n'est-ce pas, de 20 motos de la garde présidentielle. Ça va être la première partie. Évidemment que le peloton motorisé comprendra aussi 20 motos de la gendarmerie nationale et 20 motos de la sûreté nationale. Et on peut admirer ces nouveaux engins. En ce moment, il faut dire que tout ceci est également le témoignage de cette modernisation et de cette professionnalisation de nos forces armées, forces de défense et de sécurité. L'acquisition d'un équipement qui permet aux militaires, qui permet aux soldats de se déployer partout où il doit aller. En effet, Madeleine, que de chemin parcouru depuis 2001 avec les 21 décrets de la modernisation, de la professionnalisation et du rajeunissement des forces de défense. Beaucoup de chemin parcouru aujourd'hui. L'armée camerounaise fait non seulement la fierté des Camerounais, mais aussi la fierté de l'Afrique centrale. Et c'est une armée capable de se déployer concomitamment sur plusieurs fronts, en l'occurrence entre 7 et 8 fronts pour l'instant. Donc à la fois des fronts à l'intérieur, à la fois des fronts à nos frontières, et parfois des fronts bien loin de chez nous. On arrive à porter concomitamment toutes ces opérations et l'armée se porte bien, le peuple se porte bien. C'est véritablement devenu, 21 ans après, une armée complètement professionnelle. This phase of these the motorized and mounted troops, Lieutenant Tata Emmanuel, this is a veritable show of strength in terms of hardware of the military. Right? You can say that again, as we can see combat vehicles, and these combat vehicles also assist our foot soldiers in different theaters of operation. And this falls in line with the 2001 reforms by the head of state and commander in chief of the armed forces, that is the equipment of the forces, professionalization and rejuvenation. So here we have a combination, as I earlier told you, it's an interoperability exercise where all the forces are involved, that's the defense and security forces. That's the reason why we have a mixture of the presidential guard and the other forces, likewise the delegation for national security. All are geared at fighting the common threats that we have, be it in the far north region of Cameroon, be it in the northwest, southwest, in the east of Cameroon, and in the territorial waters as well. La gendarmerie nationale, donc, avec son escadron porté pour cette partie du défilé qui devrait dans quelques instants mettre un terme au défilé militaire ici. Et on l'aura constaté au niveau des tribunes, tout le monde est assis maintenant au passage de ces engins et des personnes qui les conduisent. Oui, en fait, Madeleine, il faut préciser que ce que nous voyons ici au boulevard n'est qu'un échantillon. C'est un échantillon des capacités mobiles et aéromobiles des forces de défense camerounaises. En fait, c'est un échantillon témoin qui est présenté pour magnifier l'unité nationale que nous célébrons ici et pour dire en fait aux Camerounais que les forces de défense et de sécurité disposent de moyens logistiques nécessaires, suffisants, modernes pour venir à bout de leur mission. Et je voudrais terminer en disant que c'est une mission au service du peuple camerounais. Une mission au service du peuple camerounais. Et les experts s'accordent à le dire, la modernisation et la profession.
corps with their logistics, they contribute enormously in civil military actions. In time of war, how do you in time of war, they act as combat assistants in mining mines and when the forces on the ground don't have access. The military engineering corps comes now to assist those forces with their logistics in order for the operation to continue. And they equally take a part in nation building. They take a part in nation building. That's the reason why I need to mark here that the military engineering corps has contributed enormously in the construction of schools, of hospitals, churches like the Catholic Church at Olezoa, College de la Retraite here, and other areas. And it has a major project at hand, the Mora Dabanga Kuseri Stretch. La Marine nationale qui déploie ici également son arsenal, tout comme le corps national des sapeurs-pompiers. Magnifique journée sur la place du boulevard du 20 mai, ce vendredi 20 mai 2022. 50 ans déjà, 50 ans de beauté, 50 ans de dynamisme, 50 ans que le Cameroun préserve jalousement son unité et que le gouvernement s'emploie à consolider pour passer, comme disait le président Paul Biya lui-même, du stade de la simple union nationale à celui d'une véritable intégration nationale, une sorte de transfiguration qu'on peut voir aujourd'hui dans ces différentes composantes de nos forces de défense et de sécurité. Yes, Duhemus Talat, give me an insight into the hardware of the police. Yes. How do they come into operation? The motorized march pass here, Ben, is comprised of three major sections. You saw a section purely that for traffic control. You see a section for liaison, and that which is also like what is passing now, dedicated to the maintenance of order. You know, we have troops that have to move from one place to another. The transport of troops, the transport of equipment and material is a key resource, and all of this logistics are important in the execution of the various tasks assigned to the Cameroonian Police Force. So that the police lives up to its dream and mission of police of proximity. That is it. Thank you for being there. His Excellency, the President of the Republic, the 50th anniversary of the United States Military Parade of this day, the 20th of May 2022, was under the command of Brigadier General Agar Robinson, Commander of the 3rd Combined Military Region, at your service, Your Excellency. Et voilà, mission terminée pour le général de brigade Agar Robinson. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, comme les armées, père de la nation camerounaise, bonne fête de l'unité, sans discrimination.